Voilà, la semaine dernière, j'ai été grippée, donc je n'ai pas pu accompagner François dans ses différents reportages dans le canton. Et cette semaine, c'est à son tour, donc c'est moi qui viens prendre la parole devant cette école de Saint-Hilaire, pour laquelle nous nous sommes battus au moment de la fermeture de l'école de Saint-Agnan. On a voulu essayer de résister à cette fermeture. Il y avait eu une réunion ici, en face, à la mairie, à laquelle d'ailleurs le conseiller général n'avait pas assisté, car il avait programmé une autre réunion le même jour, à la même heure. Donc nous n'avons pas eu son appui quand nous avons essayé de nous battre contre la fermeture de l'école de Saint-Agnan. Et malheureusement, l'école de Saint-Hilaire est maintenant en sursis, car l'inspecteur primaire, M. Castagne, a annoncé que sans doute cette école allait fermer également, ce qui représente pour nous une véritable catastrophe. Bien sûr, les écoles primaires ne sont pas de la compétence, ne relèvent pas de la compétence du Conseil général. Cependant, il faut bien réaliser que ce sont les enfants de ces petites écoles autour du Teil qui vont assurer l'effectif de notre collège. Donc, il est tout à fait logique qu'un conseiller général se batte pour maintenir les petites écoles autour de son collège. Et cette fermeture de Saint-Agnan d'abord, de Saint-Hilaire ensuite, a créé une hémorragie d'enfants qui vont être scolarisés hors département quelquefois, hors du canton. Et puis, ils ne reviennent pas au collège. Une fois qu'ils ont commencé leur école primaire ailleurs, eh bien, ils continuent ailleurs, leur secondaire. Et voilà comment cela menace le collège du Teil et les postes des enseignants qui sont fermés de plus en plus fréquemment.